Coucou les scrapadites! Eh bien aujourd'hui, ça y est, j'ai retourné à Action. Eh oui, oh my god, il y avait un monde fou, mais j'ai quand même trouvé ce que je cherchais. Alors super, super contente. Alors j'ai retrouvé les nouveaux dice comme ça. Oh là là. Alors, je baisse un petit peu. Alors là, j'étais super contente. J'ai retrouvé tous ces dice. Alors, regardez, celle-ci, il y a des petites partitions de musique, une petite maison avec un petit cœur, des petites étoiles, enfin, on peut faire plein de choses à côté. Celle-ci aussi, c'est bon. Ah, ça fait... C'est sympa. Alors, je les ai toutes trouvées. Je ne sais pas comment j'ai réussi à les trouver. Ils étaient cachés tout au fond. Je croyais qu'il n'y en avait pas. J'étais prête à repartir. Tout d'un coup, je fais... Oh! Et c'est bon, j'ai tout trouvé. Alors là, celui-ci, il me plaît beaucoup. Le petit camé, là. Trop, trop beau. Les petites fleurs, les petites plumes. Alors là, les petits ballons. Petit cadeau spécial. Happy birthday. Ah, je suis trop contente. Et là, les petites fleurs, là. Oh, là, elles sont sympas. Je vais bien m'amuser, je crois, avec tout ça. Ah, ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, j'ai trouvé ça. Wow, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces papiers. Un peu tropical, là. Mais dans un ton super chic. Ouh, ces tons sont magnifiques. Ah, mais j'étais... Wow, j'ai dit, j'ai bien fait de... d'aller attraper le Covid. voilà. Bon, j'espère que... On l'a pas attrapé, mais il y avait un monde fou. Bon, alors, enfin, en tout cas, j'ai trouvé tout ce que je cherchais. Alors là, je vais pouvoir bien m'amuser là ce week-end. Alors là, on ne me voit plus. Je suis dans ma petite scrap room. Et là, on ne me voit plus. Ah là, je vais pouvoir m'éclater avec tout ça. Ah, mais je trouve que c'est magnifique. Ah, ils font de plus en plus de choses magnifiques. Alors voilà, j'ai trouvé ce modèle. Et un autre en des tons blancs et noirs. Mais vraiment joli, joli aussi. Les illustrations sont oh, magnifiques. Magnifiques. Bon, je vais bien pouvoir m'amuser avec tout ça. Ça, là, c'est un peu ton hivernal, automne, là, avec les petits... Ah, ça fait chocolat, cappuccino. Ah, mais trop, trop bon. Ça fait pour un peu toutes les saisons, là. Il y a l'été, le Noël, les saisons d'hiver. Je trouve que c'est sympa. On peut l'utiliser pour plein d'occasions. Ah, mais j'étais super contente. J'ai trouvé des petites fleurs, là. T'as ton vert, vert anis. Ah, j'adore cette couleur. C'est joli. Donc voilà, j'ai fait ça. Et des autres petites fleurs de ce style-là. Je suis en train de faire sécher des marguerites. Donc je vais pouvoir mettre ces espèces de grosses marguerites. Là. Ça a bien allé avec. Voilà, j'ai trouvé... là, c'est un dice de bordure avec les petites fleurs, là. Je pense que ça va faire aussi sympa, ça. Et j'ai trouvé... ça c'est de la peinture un petit peu fluo. J'avais des autres couleurs un peu plus fluo, jaune et orange. Et là c'est un ton de rose un peu fuchsia et violet un peu. C'est un peu peps un peu. Et j'ai repris ces petits mélangeurs d'encre là. Voilà. Voilà, je me suis fait une petite journée encore sympathique. Malgré qu'il y avait beaucoup beaucoup de monde. Mais voilà. Alors là, j'ai trouvé une autre idée aussi pour faire des petits cachets de cire. J'ai vu sur je ne sais pas quelle vidéo qu'on pouvait faire des cachets de cire. Donc je vais tester ça maintenant là. Moi j'ai fait comme ça, ce style-là. Mais j'ai vu qu'on pouvait mettre des paillettes. Des toutes petites paillettes dedans. Mais pas des. Attendez, le style comme ça. Je prends.
c'est pas les paillettes vraiment fines et c'est les autres modèles. Les paillettes comme ça en fait, c'est entre le sequin et les paillettes. Donc j'ai vu que ça on pouvait le mettre sur les cachets de cire. Donc je vais tester tout ça là maintenant. Voilà, donc je suis enfermée dans ma scrap room là. Et j'ai de quoi faire. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai fait cette page. Cette page avec mon homme là, qui est spécialiste du barbecue. C'est pour un anniversaire. Donc voilà. Anniversaire de son petit-fils qui a 14 ans. Mon fils aussi qui a 14 ans. Ils ont 6 mois d'écart. Le petit-fils et le fils ont 6 mois d'écart. Donc voilà. On était chez sa fille aînée. Voilà. Alors, j'ai trouvé des barbecues. Voilà. Et là, j'ai trouvé. Ça, c'est à Cultura. J'avais trouvé c'est des écrous, des mécanismes en relief. Voilà ce que j'ai fait tout à l'heure. Et là maintenant, je vais essayer tous ces dice et je vais scraper cette photo. Voilà, avec les chevaux que j'adore, les deux mémères qui sont juste en dessous de chez nous. Et que je vais les voir tous les jours, leur faire des caresses, leur donner des petites gourmandises, des carottes, des pommes. Et voilà. Ça, c'est deux bonnes mémères qui sont juste en dessous de chez nous. Et je vais faire une page de scrap pour nos vieilles mémères. Voilà. Voilà. Et ben, bon week-end à tous et à toutes. Et puis, bon scrap. Bisous. À plus.